Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ce magnifique filet mignon au vin rouge. Une recette simple, facile et délicieuse. À la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour le thé. C'est parti! Pour commencer, je vais éplucher l'oignon et l'ail et le ciseler. Ensuite, je coupe le filet mignon en tranches de 1 cm environ. Dans une poêle bien chaude, je fais chauffer de l'huile d'olive et je fais dorer les morceaux de filet mignon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en laissant un commentaire. Je sale et poivre. Une fois doré, je les réserve dans une assiette. Ensuite, je fais revenir les oignons et l'ail ciselés, puis je sale et poivre. J'ajoute le vin rouge et la moitié du bouillon de cube. Et je laisse réduire 3 minutes environ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en laissant un commentaire. Dans un bol mixeur, je verse la sauce et je la mixe pour obtenir un mélange homogène. Ensuite, je verse le tout dans la poêle et je laisse réduire 2 minutes environ. J'ajoute la viande et je verse le reste de bouillon de viande mélangé avec la fécule de maïs. Puis, je laisse cuire encore 5 minutes environ. Alors voilà, notre recette est maintenant terminée, il n'y a plus qu'à déguster avec des pâtes, du riz ou une purée de pommes de terre, ce sera parfait. Si la recette vous a plu, merci de me laisser un like et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant, c'est totalement gratuit pour recevoir les prochaines recettes. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.